Salut tous les amis, c'est Jean-Fabien, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, aujourd'hui on va jouer à un super jeu mobile qui s'appelle Hello Neighbor. Je vous laisse un peu découvrir l'introduction. Donc on peut utiliser le joystick pour déplacer, la zone en surbrillance où c'est un peu comme un FPS. Donc jusqu'ici tout va bien, on va chercher notre petit ballon. On a fait tomber. Ça me fait penser au film d'horreur, ça. Ça avec le clown. Et là, attends, je peux sauter? Ouais. D'accord, on va sauter un petit peu. Mon ballon! Mon ballon! Non, les inconnus. Putain, mon ballon. Oh oh. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce délire? C'est quoi ces cris? Mais what? Attends, on va aller voir ce qui se passe. Il faut pas que je me fasse attraper, hein. Mais qu'est-ce qu'il a mis dans sa cave? Putain, il faut aller voir ce qui se passe là. Oh mince, il m'a vu, non! Oh non! Wouah, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc il a caché une clé tout en haut sur son toit dans sa maison. Attends, attends, attends. Oh non, il est là! Oh putain, j'ai eu peur! J'ai eu peur, j'ai eu peur, on peut pas monter! Il est toujours là ou pas? Il est toujours là! Vas-y, je vais essayer d'entrer dans sa maison, je sais pas! Il faut rentrer là, faut se lancer là! Allez, on rentre, on a plus le choix! On a plus le choix! Faut trouver une cachette, une cachette, une cachette! Oh non! Alors voilà, le but du jeu, c'est d'aller voir qu'est-ce que cache le voisin dans sa cave, de récupérer la clé, de libérer, je sais pas, c'est une bête ou il y a quelqu'un qui est en dessous, je sais pas. Est-ce que là on peut ouvrir? Et sans se faire attraper. C'est un peu un jeu de hide and seek. C'est un jeu de cache-cache. Attends, il n'y a vraiment aucun passage. Par la fenêtre là? C'est bon. Ok. On débrouille pas, mais... Donc là, on regarde par le trou de la serrure. Il n'y a personne, hein. Ok, on va ouvrir. Ça marche. J'entends débrouille pas. Je sais pas où il est. Faut essayer de monter au premier étage, mais ça va pas être évident. Bon, je connais pas trop sa maison, hein, donc... Voilà. Si la porte fait du bruit, ça va pas le faire. Non, je me cache dans l'armoire, mais ça sert à rien. Ah si! Il approche? Il approche. J'entends des bruits de pas. Moi, je bouge pas. Hein. Je bouge pas. Ah, c'est bon, on sort. On sort. C'est bon. Il est où? Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. J'entends des bruits de pas, ça me stresse. Réfléchis, réfléchis. Faut que j'aille au premier étage choper la clé. Je sais pas du tout. Ah! Il est où le premier étage? Il est où le premier étage? Il est où l'escalier? Faut trouver l'escalier, les amis. Ça, c'est une armoire, mais c'est pas intéressant. Ça, c'est la salle de bain. Mais il est où le premier étage? Là, peut-être. Bon, ça, c'est la cave. Ça, c'est la cave. Il faut trouver les escaliers là. Donc. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a vu? Oui, il m'a vu. Bah vas-y, cours mon gars. Vas-y, oui, je fais diversion. Vas-y, viens, 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 viens. Et hop là, c'est le moment jamais là. Là, t'inquiète. Hop. Je vais taper mon sprint pour aller dans le salon direct et avoir la clé.
Allez, mais déjà là, faut y aller, hein. Faut y aller, faut tout ouvrir, là. On n'a pas le temps, là. On n'a pas le temps, faut tout ouvrir, vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Oh là là, dans le frigo. Oh mon dieu, je panique. Je panique pas, ne panique pas, je panique trop, je fais là. Oh là là. Oh mon dieu. Ah, il est rigolo, hein, ce Hello Neighbor, vraiment, je vous le conseille. Alors, est-ce que c'est un jeu d'horreur? Entre les deux, c'est un jeu de cache-cache. Je vais voir là. Bon, on va refaire là. Il peut casser les fenêtres. Bon, allez, hop. Je pense que la meilleure technique, c'est de le faire venir par ici. Et ensuite, on va aller chercher la clé dans la maison. Hop là, c'est parti. Donc là, on fait vraiment le run. Non, mais qui mettrait une clé dans la salle de bain en même temps? Elle est où cette clé? Non, mais là, on peut sortir. C'est pas intéressant. Bah, peut-être dans la cuisine, il y a tellement de tiroirs, là. Allez, allez, allez. C'est pas là. Alors, je vais le faire à manger. Allez, vas-y, 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 ouvre-toi, là, ouvre-toi. Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? N'importe quoi. Cherche la clé. Frigo est vide. L'interrupteur est là. Sur la table, peut-être, je sais pas. Alors, si je fais du bruit, il va venir vers moi. Bon, allez, on va refaire le salon. C'est vide, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout par ici. Il n'y a pas de clé. Oh là là. Ça va être compliqué, là, ça va être compliqué, les amis. À l'entrée, peut-être? Allez. Dans les cartons? Non, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien. Il m'a vu, il doit être derrière, je pense. Il m'a capté. Donc moi, j'aimerais bien ouvrir cette porte-là. C'est ça la porte qui doit monter, qui doit amener juste en haut, j'en suis sûr et certain. Mais j'ai rien pour ouvrir, j'ai rien pour... qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai une boule de bowling. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a peut-être un mystère avec cette boule de bowling. Je sais pas. Voilà les amis pour ce petit let's play de Hello Neighbor, un jeu qui réserve pas mal d'énigmes et d'aventures. Là, j'avoue, j'ai eu pas mal de coups de stress et je vais passer des heures à chercher la clé. On se retrouve pour un nouvel épisode de Hello Neighbor sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces bleus. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.